Derrière pardon, nous, s'il vous ça plaît. J'ai plus de. J'ai plus d'armes, j'ai plus de munitions. Après de gros revers pour capturer Tarek Balakov et la perte d'une unité complète, le commandement a décidé d'en finir avec Tarek Balakov. Les derniers renseignements le logent sur une île des tropiques dans un complexe hôtelier qu'il a réquisitionné. Il continue ses transactions de vente d'armes, de drogue et de trafic d'êtres humains en toute impunité. Les dernières branlées qu'il nous a infligées ont renforcé son pouvoir et beaucoup de petites frappes se sont ralliées à sa cause afin de profiter d'une part du butin. Mais cette nuit, nous mettons fin à son règne. Embarquez dans les bateaux, coupez le courant sur l'île, supprimez Tarek Balakov et extraction sur la plage. Oliver, on passe côté plage, on passe où on... on va sur le point haut. Okay. Débarque. Oui. Je vois les packs sur la route, sur le chemin. Ah, visu. Ouais, ouais. Apparemment, il est blessé. What? Ouais, il boite, ouais. Deux packs. Ouais. Tu nous dis. Hiver. Troisième derrière. Affirme, ouais. Blessé aussi, on dirait. Hiver. Ah putain, il y en a qui s'est mis devant moi là. Mettez-vous en fort. Passe devant. Oh putain. Oliver, mets-toi en fort parce que j'ai on n'a pas entendu derrière. Ok, c'est bon, je suis en fort. Ok, c'est bon, ils sont traités. Il a tiré. Il a été éliminé. C'est bon. T'es un cagoule. Je suis plus cap, Oliver. Parce que je suis trop moche en fait. 460 direction le haut de la montagne. Parti. C'est parti. Récupérons un peu et on fait un bond jusqu'en haut là. Fais gaffe en approchant du sommet. Il y a la patrouille de 4 qui fait des allers-retours entre le générateur
4. Au niveau du sommet, 4. Par contre, en contrebas là, de notre position, ils sont 2 dans la forêt. Ok. Dis-toi qu'il y en a partout, un grain. Oui. Donc, quand on sera en haut, on aura 2 dans notre dos. Il faudra. On va surveiller rien. Pas de visu. Encore rien, encore. 20. Recharge. Je recharge. Je le vois plus, il est derrière le buisson. Je l'ai eu, hein. Ah, il est tombé, il est tombé. Ok. Mais... On en a eu 4 à peu près. Quand il est tombé, il est tombé. Ouais, c'était beaucoup, là. Ouais, au moins 4, ouais. Ah, plus. Bien 5 joué. Ou 6, je dirais. Bien vu. Est-ce que c'est les 4 plus les 2 Bien vu, Xunga. Granou, est-ce que Oui, ouais. Ok, non, je voyais plus donc. Il y a un rocher là pour. Tout le monde est bon? Ouais. Affirme. On reprend la progression. C'est passé par la droite du rocher. Ah, baraquement juste en dessous de nous, à la droite. Ouais. Cap 170. On va peut-être monter au niveau du rocher. Voir si French a un visu d'ici, de là-haut. Ouais, là je vais voir. Non, on vient avec toi, on vient avec toi. Ah oui, je pense que j'aurai un bon visuel. Sur le pack, sur le ponton. Ok. Alors, si je m'allonge. Ouais, ça va. Ok. Ouais, j'ai un visu sur tout le complexe là. Ok, bah tu vas rester là du coup. Ouais, c'est la patrouille de 2 qu'on a vu tout à l'heure, je pense. Ouais, il y a un gars qui est en contrebas. En 160, en face d'un petit point d'eau là. Il y a le baraquement là ? Non. Vraiment au pied de notre falaise là. C'est con, j'ai pas de désignateur laser, moi j'ai pas de laser. Oh bah bien, il doit nous voir là d'ici. Oliver, faut pas venir. Je vais bien. Donc là, on est en surplomb du petit village, enfin des baraquements proches du générateur. Tu dois avoir peut-être un visu sur nous. Ouais, négatif, je vois rien. Ok. Oh putain. T'as visu quand même sur le Pax? Ouais, celui qui est sur le ponton, ouais, je l'ai vu. Ok, tu l'as en visu. Est-ce que t'as encore la patrouille de temps en temps? Ouais, affirmatif, elle continue à faire sa patrouille tout le tour. Hein. Ok, garde-les à vue. Bon, on va pas rester campé ici. Du coup, French, tu restes ici. Ouais. Nous, on va descendre.
Alors faites gaffe, hein, parce qu'il y a le mec qui était stationné là qui est ouais, pas loin. Ouais, mais il est là, mais nous, tu vois, si on descend par. On contourne et on passe par ouais. là-bas. Oui, d'accord. Il ne devrait pas nous gêner. Patrouille en vision. Ouais, mais on va pas les ouvrir d'ici. On va descendre d'abord. Ok. On va peut-être laisser escure sur un point haut. Hein? Moi je dis on pourrait peut-être laisser escure sur un point haut. Ah ouais. Bah, peut-être le laisser en appui de. Je sais pas French. S'il a un visu escure mais. Je savais qu'un autre. Bah j'ai un visu sur le. Ouais, est-ce que t'as un visu sur le village? Le enfin sur le. Sur la zone. Oui, je suis. Les baraquements. Ouais, bah pas toutes. Je vois le mieux, c'est le port. Merde, fais chier. Et un peu plus haut. Ouais, mais plus haut, t'as pas beaucoup plus de visu sur le. Ouais. Le problème c'est qu'on n'a pas de visu donc pour laisser sur un point haut. Oh sinon c'est comme c'était juste une suggestion hein Oliver, après t'es pas obligé. Après oui s'il a pas de visu ça hein. C'est par mes côtés. T'arrives derrière, derrière. Traité 1. Un traité. J'en ai traité un. La patrouille n'est pas alertée, ni le gars sur le ponton. Et l'autre mec, toujours pas de Oliver, n'y va pas, t'es lead, reste là. Je me dévoue. Si je viens te couvrir. Au moins, il n'y a qu'un Pax, hein. Bizarre qu'il soit tout seul. Oui, c'est bizarre, oui. Le mec, il avait une AK, un bandeau sur la tête en Bermuda. Ouais, une AK, vu comment il a allumé. Bermuda. Il avait. Non, il a un pantalon, un pantalon. Non, bah alors c'est pas le mec qui avait. C'était une Minimi, hein. Ouais, c'était plutôt une Minimi PKM. Ouais, okay. C'était un. C'était une machine gun. Oh, non, mais c'est pas notre. Pas la... le premier pack que j'ai vu alors. Donc il est toujours dans la nature, lui. Il est peut-être parti se baigner, hein. Ouais, moi je pouvais aller se noyer. Ça nous arrangerait. Bon, sinon, dans le camp là, c'est pas alerté. Hein. La patrouille qui patrouille toujours, le glandu qui glande toujours. Sinon, nous on va passer plutôt de l'autre côté du rocher, côté gauche. On remonte alors. Ouais. À mon avis, c'était un Pax qui était pas mort, hein. Il devait être dans le coltard et il a dû soigner. C'est pour ça qu'il est tout seul. Xunga est parti. Faut bien les achever. Qui est resté au rocher là-bas? Un gars. Ah, je sais pas, j'ai pas entendu ça. Ah, du coup, on descend.
jusqu'à la, au niveau de la route. Ah. C'est quoi ça? Un fumi. C'est quel chien qui a fait le touche encore? C'est quoi? Fumi. Je sais pas, il y a une fumigène qui est partie. Elle est où? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Moi j'ai des grenades d'équipé donc. Moi, j'ai bah, pas de zoom. J'ai pas de éclairante. Une fusil éclairante? Ouais. Ah, exact. Non. Ah ouais? Non, y'a rien. Ah si, si, si. Ah, si. Qui c'est qui a lancé une fusée? Mais c'est pas nous. Ah, c'est on est peut-être spoté, hein. Ouais. Peut-être. Ouais, pas pas dire. Ouais, ouais. Reçu. Ouais, j'ai visuel sur une. Un flare là. Affirmatif. C'est peut-être une mine. C'est vous? Négatif. Ok, reçu. Un pack sans patrouille. En visée. Ouais, je voudrais pas dire, mais le départ du tir de la flare, elle était très proche. Hein. Ouais, mais je pense que c'est un truc automatique parce qu'on prend trop de notre temps. À moins que ça soit toi, Fabien, qui ait pris. Impact dans la maison, cap 202, 203. Moi, j'aime bien les rochers, c'est pas mal. Oh non, on est. Ah bon? Ok, un pax devant là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un pax devant? Dans la maison. Non, sous le porche là. Ouais, vu. Ah, c'est celui de tout à l'heure qui était haut. Oh, soit les mecs, on est groupés là. Ils nous visent, non? Ouais, ouais, ils nous visent, ouais. Ouais. Allez, premier, il traite. C'était. Il est dans le coma, il est dans le coma. C'est bon, il est mort. Elle est mort. Après, ça fait des zombies, il se relève et. Pas de mouvement. Non, le mec sur le ponton, il ponton toujours. Par contre, il y a pas un pack derrière le gros bâtiment là, mais j'ai plus de visu. French, est-ce que t'as toujours visu sur le mec sur la patrouille de 2? Oui, ils vont passer derrière un bâtiment, je les. Ça y est, je les ai plus en visu. Ok. Tu me dis quand il passe côté plage. Ok, je te ferai signe. Il y a un petit groupe de rochers en bas, vous voulez qu'on avance un peu ou pas? Un bon visu. Ok, il y a une patrouille, oui, il y a un très bon visu ici. Regarde à gauche du hangar, deux packs de deux, patrouille de deux, ouais. Ouais, mais je pense qu'on va la laisser pour les TP. Histoire qu'ils se. Ouais, là les deux sont derrière le les bâtiments, je les ai en visu. D'ailleurs, vous aussi. Ouais, mais on va vous les laisser à toi et à Papa Bière. Histoire que vous tirez un petit peu. Ah, il y a un pack sans vise là. C'est RP ça. Qu'est-ce qui nous vise? Ok, merci. Visu, visu, allume, grano, allume. Ah, visu sur un pack, ouais. Oliver, on traite pas la patrouille qui est à gauche, t'es sûr? Non, je pense pas. Pourquoi? Tu veux qu'on la traite? Ah, je vais la perdre de vue là, mais. Elle va passer juste en bas là. Parce qu'à un moment donné, ils vont être juste à côté de nous, enfin ouais. En bas là. Donc, soit idéal. Ouais, c'est trop tard pour moi là. Ok, elle rentre dans mon champ de vision. French, est-ce que t'as visu sur la patrouille de 2? Grano, viens avec. Dans 10 secondes, oui, ils sont derrière un arbre là. Ouais, pareil. Ça y est, j'en visu le premier, le deuxième aussi. J'ai visu aussi. Okay. On va essayer le TP et puis on est là en cover encore. C'est maintenant. Enfin, Oliver, pour info, je peux pas traiter les cibles, hein. Il y a trop de brouillard, je distingue à peine le quai. Même celui sur le quai? C'est vraiment limite. Ok. Alors, French. Alors, Papa Bière, tu peux ouvrir le feu sur celui sur le quai. Et French et ce qu'on du visu ouvre le feu sur la patrouille de 2. Affirme. Deux sont traités. Il reste le mec sur le quai. Il est en coma sur le quai. Recharge. Il est traité.
pas venir, Fred, tu s'en occupes. Pas de visée, y'a de la végétation, là, je vois rien. Ouais, c'est bon, j'ai vu, hein, il est tombé. Moi, je pense que tu peux bouger sur la... sur le poste 2. Ok, reçu. Je suis mouvement. Je te préviens dès que je suis sur place. Ok, reçu. Oliver, n'oublie pas qu'il y a un drone, hein. Ouais, mais de l'autre côté. Ouais, mais justement, il est sur la zone 2, le drone. Ah. T'es sûr? Bah oui. Il l'avait pas en sac à dos? Non, non, c'est pas un drone au sac à dos, c'est comme un drone... merde, c'est comment leur nom? Oh, je sais plus, mais... Eagle, oh, là, Eagle, je sais pas quoi. Il n'y a plus de mouvement. Hein. Ouais, on a du visu un peu sur le... Ouais, bah, Iskur. Ouais. Tu restes ici. Ok. Comme ça, t'as un bon visu sur le... sur les baraques. Et nous, on va aller au générateur pour le couper. Ok. Ça marche, Oliver ? Ouais. Bon, le camp est clair pour moi, hein, pas de mouvement. Ok, j'ai laissé Iskur sur notre position actuelle pour couvrir le camp. Ok. Vous êtes où, Garno? Attends, Garno va le tenter. Il est parti? Ah, ils sont partis par là, d'accord. Ah, ils sont partis côté. Ouais, bon. Je préférerais passer de l'autre côté, mais. Ah bah, dis-le. Que veux-tu? Dis où, Garno? Garno, je reviens. Iskur, tu peux monter, si tu veux, tu peux monter un peu plus haut, t'as visu aussi sur les hangars qui sont à ta gauche là. Vas-y, je vais continuer. C'est bon? Ah ouais. Ouais. Ok, ça marche. On reste doucement, comme on n'avait pas trop de visu sur la droite là. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du hangar. Un pax dans la baraque là. Visu. À travers la vitre. Ah, t'as l'œil, hein. Ouais, vu. Traite. Tombé, mais. En coltar. Oh non. On va reconnaître ou pas? Ouais. On va y aller. Allez, tire, tire. Grano, attends. Bon, bah, du coup, là, il est mort. La direction du générateur. Le générateur, il est là. À gauche, ouais, traverser la route.
un bond jusque là-bas. Ouais. Vas-y, le T-Pex déborde. Le générateur il est par là. Grenouille. Ah bon? Non. Derrière. Arrive. Ah, j'ai le menu molette, couper le courant. Ok, ah ouais. Bah vas-y. On coupe le courant pour info. Ah, c'est bon, lumière éteinte. Blackout. Salut. Ouais, courant est coupé dans toute l'île. Là par contre il risque peut-être d'être tous être alerté. Donc là on va repartir du côté du village. Faut le nettoyer. Il faut tuer tout le monde. Le village. Les maisons qui sont en face là? Oui. Oui, j'appelle ça un village. Ah bon? Oui. Oh. Un village vacances. Oliver ne peut pas bien. On ne peut pas. Oliver, j'écoute. Ouais, je suis sur place en position, j'ai visu sur la villa, je commence à renseigner la carte sur les packs que je vois. Ok, reçu. Drone. Attends, on va peut-être attendre déjà qu'il veut. Qu'il renseigne la carte, qu'il revient. Et qu'il revienne vers nous. Donc là, on va se diriger vers le. Ouais, bah, premier bâtiment que tu vois. Ouais. Et ce qu'il peut faire, il prend le drone, il se crache sur Tarek et c'est terminé. Hein. Il est parti, Grano, il est parti, Grano. Ah putain, Grano, il est parti. Bah, je sais pas, il m'a dit tu passes au premier bâtiment que tu vois. Allez, va. Pour French Iscure, on va nettoyer les bâtiments. Ok, bien pris. Ok. Pierre, de l'autre côté du bâtiment, non? Fais gaffe, c'est la porte ouverte, là. Ouais. Clear. On va pas l'ouvrir la porte là. Confirme, Zunga il a bien traité le mec. Il y a un pick-up dans la gendarmerie les mecs. Ouais, je pense pas que ce soit une bonne idée de prendre des véhicules. Les bleus, ils sont bloqués. Du coup, Iskur, tu repasses sur French, tu retournes sur French et on se rejoint là-bas. On va attendre que tout le monde soit là. Yep. French, Iskur, on est revenu. Pas encore. Il va arriver de l'est normalement. On va attendre Iskur.
Le voilà. Voilà. Oh, j'ai bloqué un succès. Et nous, on est là, c'est ça? Et là, il y a quoi? On a un couloir là, faut aller tout droit. Un premier groupe ici, un deuxième groupe ici. C'est des gosses, je... Et on là... Se ici. Ah, et là, putain. Faut attaquer le. Hein? C'est ça? Hein? Des trous? Oh my god. Ah là là. Faut pas mettre des trucs comme ça dans un jeu avec nous, hein. Un scénario. Ouais. Mon papa, il a renseigné un peu ce qu'il voyait. Ouais. Il va pas voir grand chose. Papa, il regardait la carte à ce moment-là et ils sont en train de. Bon, mais ça va suffire, oui. Le sage a parlé. On se met en colonne. Hop, ça te plaît. Un cap 300 là, non? 310, 320? Cap 310, 195 mètres. Exactement. Il y a French qui ah, pas hut. Ils ont encore de la lumière. Oui, c'est bizarre ça d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, il y a un bâtiment qui est éclairé. Il doit avoir un générateur. Ah, il y a un groupe électrogène là-bas. À quoi ça a servi? À faire quelque chose. Bonne nouvelle, notre bateau est toujours là. Tu vas où, Granon? Mais c'était pour voir si French il avait pas une meilleure visu. Ah ouais, mais c'est son problème, nous on est arrivé à notre point de destination. Ok. Alors. Que t'es payé au SMIG, hein. Bon, là je suis sur le point le plus haut et c'est pas génial. Hein. C'est pas génial et. Brouillard, végétation. En allant là-bas là. Ouais. Ouais. Que je pensais aussi. En allant là-bas, tu penses que t'aurais plus. C'est quoi, c'est ça... ceux qui sont en point 66 là à peu près. Alors, oula, je vois du monde là. Il est pas devant chez lui, Tarek. Ouais, il est terminé. Attends, monsieur, là, il y a une espèce de convoi. Hiver, oublie pas qu'on a le drone. Ouais, je sais. Si c'est pas Tarek que j'ai en visu là. En visu, autant la battre lui, voir. Allez, French, tu peux le faire. Un sniper, allez. Montre-nous tes talents. Le mec il est pas armé. Ah bah c'est lui hein, sûr. Il est entouré de gardes. Au sein civil. Il se loupe, ça sera une autre histoire hein, quand on va arriver là-bas. Il y a des gens, ils sont à l'hôtel, tranquille. On c'est Donald carré. Trump, il est en vacances. Mais Donald Trump, il est toujours armé. Hein. Ah oui, j'ai un pack, ça va. Deux. Ah ouais, ouais, on patrouille. Alors, on fait quoi? Oliver, pourquoi pas venir? Pas bien. T'as un drone à dispo. Affirmatif. Tu peux le faire décoller et survoler la zone de l'hôtel? Papa? Ouais, j'écoute. J'ai placé un point où j'ai indiqué la possible position de Tarek. Est-ce que tu la vois sur la map? On va pas le voir. Ouais, affirmatif, je la vois. Ok. Oliver, le drone a décollé. Ok, reçu. Tu me dis quand t'es au-dessus du complexe? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, putain.
tirer dessus. Drone ennemi, drone ennemi. Finger. Et sans les JVN, tu le vois quand même, hein. Il y a une grosse lumière. Ah ouais, putain. Ah oui, c'est mieux même. On peut éteindre les feux de position, je crois, en plus, non? C'est comme un avion. Ouais. Ouais. Oh, une étoile filante. Ça a un ovni, un ovni. Voler un drone. Ouais. Tu demandes à papa si c'est normal les feux de position. Papa Mir, tu peux éteindre les feux de position, s'il te plaît? Négatif, je peux pas. Et là, il se crache sur nous, le truc. Vachement furtif, le drone. Ouais, prévu, sur position, ouais. A priori, 3 véhicules devant la maison avec des packs autour. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, il y a une patrouille aussi sur la route. Ouais. Ah, vu. Ouais. Pas seulement. Par contre, j'ai pas d'identification formelle de Tarek. Ok, reçu. Ah, on l'entend, on l'entend. Ouais. Par contre, t'as entendu le drone? Ouais, j'ai entendu. Il va falloir qu'on positionne Iskur pour qu'il puisse couvrir la route au cas où il s'enfuit par le avec les véhicules. French, y a pas d'hélicoptère là-bas? Assure-moi. Mais au pire, si tu veux, on peut. J'ai des clés morts, je peux mettre des clés morts sur la route. Par contre, j'ai deux patrouilles de 3 et 4 packs qui tournent autour de l'hôtel. Ok, reçu. Ouais, après on peut peut-être aller se diriger vers le carrefour et poser des mines en remontant vers l'hôtel. Oh, KO. Bah ça va pas. Je pense qu'une clé mort ça peut péter les roues d'une voiture, non? Ouais. Ah ouais, c'est des clés morts, oui, c'est antipersonnel. Ah oui, c'est antipersonnel, mais au moins ça pète les roues. Au cas où, si on coupe, si se bat en véhicule. Ça pète les roues, quoi. J'en ai deux, donc. Une sécurité. Par contre, le complexe devrait plus avoir d'électricité. Donc, ils doivent avoir un générateur. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on le détruise? Je sais pas si ça sera pris en compte. Papier, t'as pas vu un générateur? Ils ont de l'électricité encore. Oui, sûrement. T'as pas de C4, non? Ouais. Que des clés morts. T'as que des clés morts. Avec les clés morts, tu peux. Le déclenche à distance. Ouais. Parce que je sens bien le coup que quand on va attaquer, ils vont prendre des véhicules et se barrer comme avec l'hélico. Ah. À droite. Vous l'avez eu? Oui, je crois. Putain, j'étais en cran de sûreté là. Merde. A chaque fois, je me demande si c'est pas Bier, tu sais, qui vient nous réveiller. Il a une radio lui, hein. Il avait une radio. Il avait une radio. C'est qui est parti en bas? Moi. Derrière le. Putain. C'est chaud, hein. J'ai entendu arriver. On reste trop longtemps sur la même position. Ouais, je pense que c'est ça, il a dû faire un truc qui fait spawn, donc on va bouger. Ouais, on s'en fout des véhicules, on va bouger sur le point haut là-bas. Cap 366. Ouais, enfin cap 290 à peu près. Au pire, quand on traverse la route, il peut poser, hein, au tac.
contact, hein. Ils sont juste là en bas de rue. Ouais. Côté. Moi j'ai tiré, mais avec mon PA. Oui, pareil. Pas obscur. Ouais. Okay. Pas de blessé. Je t'ai vu t'allonger, j'ai cru que t'étais. Ok, j'ai blessé. Plus de munitions, les mecs. Je préfère pas tirer. Là. T'as plus de munitions. J'ai pas de silence. Non. Alors, récupère une arme de. Ah, c'est, de pas silencieux. Silencieux. C'est quoi tes munitions? C'est du 762 à HK417. Ouais, tu pexes. De quoi? Putain. Bon, on peut pas rester ici, je pense que il y a un Zeus. Parce que. Ouais, l'hiver, tu peux pas bien. L'hiver, j'ai pas comme ça. Hein. Ouais, pour info, j'ai une patrouille au carrefour à environ 200 mètres de vous à l'ouest, au 270. Carrefour, ok. Bah c'est là que d'où il venait le mec là. Ouais mais ça je pense que c'est pas bien. Bon faut bouger là en tout cas. Ouais. Non c'est le drone. On bouge direction le point haut là-bas. Ok. Parce que l'IA bouge bizarre là quand même hein. Ouais ouais. Mais c'est bizarre, on s'arrête, tu sais, pour voir. C'est tout le tour, un par un. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'IA? Oula. Hein? Ouais, elle a décalé. Elle a décalé et tout en tirant. C'est normal. Ah. On verra ça au débrief. On verra ça, ouais. Si on est encore vivant. Sur les mines, les gars, tirent au coup par coup. Bah, c'est ce que je fais. On va avoir besoin. Il me reste 6 chargeurs. Oui, Tipex, t'en as encore? Non, non, j'ai pas de chargeur. Ok, attends, patrouille, attends. Patrouille sur la route. Bien. On traite, on verra après. Ouais, je vais renseigner la carte avec la patrouille. 1, 2, ok, reçu, on l'a en vue. 4 pattes, ils ont en visu le drone, il y en a un, il a un RPG. Oh. Ok. On va voir pour se mettre en position. Garde le mec RPG en visu. Sur la route. Si si, au carrefour là. J'ai un gros. Là. J'ai un arbre devant. Là. Tu vois mon laser? Ouais, affirmatif. Ouais, il vise. Et j'ai pas de visu, j'ai de la végétation devant. Il vise le drone. Ils sont 4, c'est ça? 3? 4. 4? Moi j'en ai 3 vues sur. Donc 4 vues. Ils vont dans quelle direction? Oui, ils regardent le ciel là. Ils bougent pas, mais ils tournent. Ils sont stationnés. Ah, ils sont les 4 là. Non, mais j'ai pas de visu sur le drone. Je peux les traiter facile, okay. Là, les 4 ils sont en ligne. Occupe-toi du RPG, French. Ok, je peux tirer? Ouais, et dès qu'il fait feu, on enchaîne. RPG, c'est bon. Oh, c'est moi. Ok, traité 2. Ils sont tous au sol. Ok. C'est qu'il y a un char qui a plus de munitions. C'est Granola qui a tiré. T'es gars. Avec ta canne à pêche, c'est ça? River pour Papa Mir, patrouille traitée. Ok, reçu, pour moi y a plus personne autour. Hein. Ok, on va faire mouvement vers. On est déjà descendu. Oh putain. Vers le point haut au-dessus de l'hôtel. T'as pas parlé à la radio, Oliver? J'ai parlé à la radio. Mais pas la deuxième fois pour lui dire où on allait. Ah, ok. Si, la deuxième fois j'avais. J'ai commencé à parler en normal et j'ai parlé à la radio après. Pour moi, t'as fait l'inverse. Tu m'as bien reçu? Je disais, on fait mouvement vers le point haut au-dessus de l'hôtel. Tu veux pas miner alors, Lyon? Hop, visite sur le bâtiment.
On est vraiment tout proche. Hein. Ouais. Deux packs à côté d'un véhicule. T'as les véhicules, les trois véhicules en visu ou... Et un j'ai un morceau de véhicule, j'ai de la végétation, je vois rien. Ok. Ok, j'ai... Vas-y, viens là. J'ai un pack façon laser. Et 6 packs dans mon champ de vision. Ouais. Laser. Visu. Ok. Faut qu'on essaye d'avoir un visu sur les véhicules. Packs et un véhicule. Ah, ils sont pas les trois collés. Il y a deux à côté d'un véhicule et 4 en patrouille non alertés. J'essaye d'aller en hauteur. Wow. Oh, explosion. C'est quoi ça? Oups. Ils sont alertés. Bon là, bah là je crois le que coup, les silencieux ouais. On peut oublier. Hein. Ah, ils ont craché avec le drone. Possible. T'as craché le drone? Allez, ouais, allez, viens dans là. C'est un missile. Il y en a deux là. Oh, ah, attention, là. Hein. Oui, ça court ouais. Vers nous là. Attention. On se met en ligne. On se prépare. Le mec, je l'ai en visu là. Et il est derrière la baraque. Je peux l'avoir. Ça arrive tranquille. Encore. Je vois un mec qui est au sol. C'est peut-être Tarek. Il est couché. Ils l'ont fait se coucher. Il est non armé. Est-ce qu'on traite Il va vers le véhicule. Heinz. Il s'en va. Les ordres. Oliver, on ouvre le feu. Grano, allume-le, le mec sans arme. Je vais un peu. À côté de toi. Par derrière. J'essaie de monter encore. Mais j'ai peur que ça nous contourne en fait. Putain mais... Mais j'ai besoin... Oui j'ai vu. J'ai besoin d'appui là, d'appui feu. Sur Grano. Leur poil Grano. Tu peux te lever Grano là? Non. Vous êtes que sur le point. Là on est en plein fight. Vous êtes sur la position ou en... Sur le point haut. Équipé, tu peux. Personne à l'intérieur du camp. Tu peux pas te lever là? Négatif. Je crois rien faire. T'es où? Rano. Oh putain, c'est quoi ça? C'est bon, Rano ou pas? T'es où? Ok. Couche-toi. Je peux pas. Qu'est-ce bordel? Bloc. Viens. Attention au contrebas à gauche là. Il y a encore du monde sur place. On a perdu Grano. Bah, il faut le dire, c'était un point mort pour le groupe. Merci, j'ai fait exprès de le laisser crever. Iskur, tu recules s'il te plaît. Xunga, tu peux prendre sa place. Qu'est-ce qui est là devant là, qui est blessé là? Otak. Ah pardon, Otak, excuse-moi Iskur, c'est pas... Légèrement blessé je crois par contre. Toi? Ok alors attends. Moi je suis légèrement aussi, t'inquiète. J'ai peur que ça arrive derrière hein. Faut qu'on se barre maintenant. Mission accomplie hein. Oh
encore. Si, mission accomplie. Hein. Dans la baraque là. Si, on a eu confirmation, Oliver. Ouais, affirmatif, extraction. Ouais, extraction là. On bouge alors. Il est où le point d'extraction par contre ? Le plus loin possible quoi. Oh putain, ok. Sud-ouest. Du côté de Hippota. Ok, Skur, au tac. Viens, viens. Ouais. Tu m'as fait peur. Pourquoi t'as pu ton stand? J'ai une balise hier. Je l'ai toujours. J'ai enlevé les JVA. Si, si, mais. Ah oui, hein. Attention, du mouvement dans le village. Il a fait un salto. Au tac, viens. Ouais. Là, que je te soigne. Là, j'ai juste besoin d'une. Morphine. Ok. Je suis un drogué. Non, je me suis fait les premiers bandages. Ok. C'est que t'aimes bien injecter des morphines. Ouais, j'adore ça. C'est bon. Ok, traité, il était derrière le bâtiment. Putain, le nombre de missiles qu'il a mis, encore des gens vivants. Toute la baraque, elle est toujours debout. Hein. On va voir la même. On fait quoi alors? On se barre? Oui. Par contre, faut traverser le village pour. C'est ouais, 500 mètres. C'est sud-ouest. On peut passer là en bas à gauche. On peut passer là en bas à gauche. Fais gaffe parce qu'il y avait du monde qui passe, oh. Qui est passé de par là. Hein. Puis, Vas-y, viens. J'ai le cœur. Oui, oui, j'entends, qui... je l'entends de loin. Ah, tu l'entends? Non, j'entends pas. Attends, bouge pas. Un AVC, c'est ça? Non, pas encore. En bas à gauche. Zunga, il va mourir. Faut aller l'aider tout seul. Ouais, j'ai plus de balles surtout. Ça, il m'a fait peur ce French là. Je sais pas, le gars c'est. C'est bon? C'est bon, Zunga, je te soigne? Non, j'ai pas été touché. Mais... D'accord. Il était droit. Attends. French, il est encore là-haut. Hein. Attention! Attention! À gauche. Il avance un peu, espérant. Il était sur l'arbre à gauche. Ouais, par là. Oh, c'est une grenade. Oh, elle a ricoché, faites gaffe. Oh, le bourrin. Ah, mais est-ce attends, que, t'es touché? Ah, ça va. Ah, c'est pas moi la deuxième. Shrine, chez toi? Ok. Affirme. On va lancer une grue. Là. Il fait quoi, French? Il descend, il vient. Putain, elle a perdu. Ouais. J'ai entendu un non. J'ai pas dit. Allez, les gars. Dans le village, faut qu'on bouge. Escure, viens. Où est Escure là? On se regroupe, les gars, on part par là. J'ai entendu gueuler. C'est bon, à gauche, y'a pas de Pax. Hein. Il venait de la droite. On vient d'entendre gueuler là. À gauche. Oh. Ah ouais? Oh, ah putain, Tipex sauta. J'ai checké à gauche. Ah, il était derrière l'arbre ou allongé. Je me mets les et premiers là. Soins. Oh, putain! Où? Quelqu'un casse les touches, ça c'est eux qui fonctionnent là pour relever Tipex, s'il vous plaît. Attends, monsieur. J'arrive. Il est mort. Hein. Derrière nous. Pardon, nous, ça s'il vous plaît. J'ai plus d'armes. Il est mort. Je prends son arme. Il est décédé. Tiens le coup, Tipex.
Grenade. Je suis mort aussi. Pourquoi t'es mort, Attack? Bah. En fait. T'es en train de me soigner? J'ai pris une greu. J'ai pris des éclats de greu en fait. Ok. Et je suis tombé, mais je me suis relevé. J'ai essayé de me mettre des trucs. Mais le pack à gauche, je les ai pas vus. Ils étaient deux au moins. Ils étaient deux au moins. Par contre. Zoomé, il est mort. Merde. Pourquoi vous êtes mort? Bah, parce qu'on était tous blessés et que. Bon, on l'a tué quand même, Tariq. Oui, on l'a eu. Ouais. Oui. Donc, voilà. On se rassure comme ça. Allez, Oliver, va au bout. Allez, trace y a au point plein d'extraction. De packs. Et il y a plein de packs partout autour de la maison. Tu parles, une soixantaine. Ah. Ah, le mec, il arrive dans son dos. 60 par mètre carré. Tu peux pas sauter, Oliver. C'est toujours le même là. Oh, derrière lui. Oui. Oh putain, le gars. Oh putain, il a sauté, Oliver. Oh, elle est ouf. Aïe. Il est vivant. Sors la pierre tombale d'Oliver, il y a un marqué est tombé au champ de bataille. Mais vraiment tombé. Il est mort, elle est dans le coma, elle est cuite. Ouais. Vraiment c'est tombé. Pas un jeune beau. Il a glissé. Il a eu peur du pack, c'est... du coup il est mort. Voilà, il est mort. Tout de suite. Bon bah arrête.